Alléluia. Et des années plus tard, le Seigneur vous a multiplié. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, vous êtes devenus des milliers. Alléluia. Vous y arriverez. Et avec nous, nous allons arriver. Des fils, Dieu vous a donné. Des fils, il vous en donnera encore. Alléluia. Dans le passé, Jésus a été fidèle. Vous étiez trois, maintenant. Nous allons conquérir la planète à Jésus. Amen. Nous arriverons à conquérir la planète à Jésus. Oh oui, nous arriverons. Oui, nous arriverons. On tape des mains ensemble. À conquérir la planète à Jésus. La planète à Jésus. Oui, nous arriverons à conquérir la planète. Nous souhaitons la bienvenue à notre très cher papa. Bienvenue, que le Seigneur te bénisse. Nous souhaitons aussi la bienvenue à notre très chère maman Colette.
Nous saluons notre bien-aimée et très chère Henriette Mbarga, qui est venue se reconnecter à nous. Nous sommes heureux de t'avoir à cette cérémonie. Nous saluons les enfants qui sont nos petites sœurs et nos petits frères, Graciel, Marie-Esdras, Anne-Daniel et Joël. Soyez les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Une année est passée, c'est-à-dire 12 mois, 365 jours, 52 semaines, au cours desquelles nous avons vu la puissante main de notre Dieu sur la vie de notre leader, de notre dirigeant. Dans l'Église, nous avons contemplé les merveilles du Seigneur. C'est vrai qu'il y a eu de bons moments et parfois des moments difficiles. Mais nous avons fait l'effort de concentrer nos yeux sur les bons moments. Et le Seigneur a été avec nous, il a manifesté grandement sa fidélité. Et nous sommes là, ici, pour lui dire merci et renouveler notre reconnaissance, notre consécration à Dieu, notre reconnaissance et notre consécration à notre leader, notre papa. Ce soir, nous allons directement donc passer au discours qui sera lu au nom de toute l'Église de la Côte d'Ivoire, de la CMCI Côte d'Ivoire, par notre bien-aimé, le dirigeant de notre œuvre dans le Sud Comoé, le pasteur Théo Bernard. Acclamez le Seigneur, encouragez le pendant qu'il vient. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour moi un heureux privilège de prendre la parole ce jour au nom de l'ensemble des frères pour te formuler à toi et à toute ta famille nos vœux les plus sincères de santé et de succès pour l'année 2019. La présente cérémonie, qui se veut une tradition, sera pour nous un cadre pour mesurer nos succès après 365 jours et surtout dégager des perspectives pour l'année 2019. Ce sont ces exigences qui justifient la présence de tous tes fils et filles venus de toute la Côte d'Ivoire pour apporter un élan de gaieté à cette cérémonie. Je saisis donc cette occasion pour saluer la présence distinguée de notre bien-aimée sœur Henriette Mbarga, venue de notre quartier général pour se reconnecter à nous. Merci d'être venue. En termes de bilan, la CMCI Côte d'Ivoire, une fois encore, a consolidé sa croissance comme les années précédentes. En effet, de janvier à novembre 2018, l'effectif de l'Église est passé de 31 816 membres à 42 930 membres. Au plan de la conquête du territoire, la dernière session de l'École de la connaissance et du service de Dieu nous a permis, avec l'envoi de 23 nouveaux missionnaires, de couvrir l'ensemble des 108 départements que compte la Côte d'Ivoire. Je ne pourrais passer sous silence ces mémorables sorties d'évangélisation sur toute l'étendue du territoire national du 24 au 25 novembre 2018 et du 22 au 23 décembre 2018 qui ont produit 472 baptisés. Tous ces résultats, qu'on peut considérer comme un véritable trophée, sont pour nous, tes fils, un héritage certain qui pourra nous permettre, j'en suis sûr, de relever nous aussi le défi de la croissance. Bien-aimés frères, cette cérémonie est l'occasion de t'exprimer encore nos remerciements et de te renouveler nos sincères félicitations. Au terme de mes propos, je voudrais te rassurer de notre consécration renouvelée et de notre détermination à t'accompagner en 2019 pour de meilleurs résultats. Bonne et heureuse année 2019 à toi et à toute la famille.
Je vous remercie. Alléluia. C'est merveilleux. Le président du comité d'organisation, ou du moins son adjoint, qui s'est adressé aux leaders, à la famille, en notre nom, au nom de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, n'avait pas fini son action. Il avait une présence symbolique à remettre à notre bien-aimé papa. Alors, nous allons lui permettre de le faire. Il demande l'assistance du pasteur Zippo Patrice et du pasteur Loès. Gloire à Jésus. Comme le disait tout à l'heure notre cher coordinateur, nous allons achever donc l'action que nous avons commencée par ce don symbolique. Nous ne sommes pas venus les mains vides, n'est-ce pas? À notre leader, certainement il a quelque chose à dire. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Vraiment, vous savez, quand Dieu fait les choses, il ne faut pas que l'homme se débrouille. Parce que Dieu, quand il le fait bien. La famille Meunier dit amen à l'expression de reconnaissance, de gratitude, de remerciement proclamé par notre bien-aimée, la sœur Henriette Barca. Quand elle a fini, j'ai reçu dans mon esprit qu'on ne doit rien ajouter. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous bénisse. Dieu l'a envoyé au temps opportun. Et cette reconnexion est une réussite totale. Elle a élevé nos yeux pour comprendre qu'il s'agit même de la conquête de la planète. La tradition a souvent voulu que chaque enfant dise merci, mais je dis, nous avons tout accompli. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qu'on peut faire
comme des parents, c'est de vous demander de vous tenir debout et qu'on vous bénisse. Alléluia. Ce que je peux dire se trouve dans Deutéronome au chapitre 5, versets 29, 28 et 29. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressâtes. Et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Alléluia. Verset 29. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. J'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressé. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Gloire à Dieu. Je veux dire que j'ai été très émue. J'ai été très émue lorsque le pasteur Meignet m'a fait comme un feedback de cette cérémonie. Et dans mon cœur, j'ai dit, « Oh Seigneur, sois loué !» Et j'ai aussi dit, « Oh !» Que cela puisse continuer, que le Seigneur leur garde ce bon cœur, cette bonne disposition vis-à-vis du pasteur, vis-à-vis de sa famille, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Gloire à Dieu. Peuple de la CMCI, en Côte d'Ivoire, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il vous garde dans cette disposition de cœur. Qu'il vous garde bienveillant vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de son serviteur. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Que l'Éternel bénisse votre relation avec lui, votre relation avec son serviteur. Que l'Éternel bénisse votre entreprise et vos efforts, vos investissements dans son œuvre et dans son serviteur. Que l'Éternel écoute les souhaits de vos cœurs en sa faveur et qu'il les accorde et qu'il les honore et qu'il les multiplie en sa faveur, en la faveur de son œuvre et en votre faveur, à vous et vos enfants. Peuple de la Côte d'Ivoire, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes vœux. Amen. Amen.
Nous allons appeler ici les membres du comité d'organisation de cette cérémonie. Ils seront les premiers non seulement à être connus par l'ensemble des frères qui sont ici, mais à saluer nos parents. J'appelle donc ici le pasteur Zippo Patrice, qui est le président du comité d'organisation. À sa suite, le pasteur Théo Bernard, qui est le président du comité d'organisation adjoint, le président adjoint chargé de l'organisation. La sœur Carole Babatunde, qui est secrétaire à l'organisation. La sœur Diane Kofi, qui est secrétaire adjointe chargée de l'organisation. La sœur Marty Yolande et la sœur Po Odile. Et en dernière position, le pasteur Elie Godji, secrétaire général de ce comité. La régie avec du son. À la suite du comité d'organisation, la délégation du Gbeke va suivre. La délégation du Gbeke va suivre avec à sa tête le pasteur Théo Kinyelman. La délégation du Haut Sassandra, est-ce qu'elle est représentée, le pasteur Achille Gogoua et son équipe? La délégation de l'Indénié Diablin va suivre. Indénié Diablin. Avec à sa tête le pasteur Raoul Tano, avec résidence à Abengourou. La délégation du Sud Comoé. Va attendre un peu, attendez un peu s'il vous plaît. Le Sud Comoé, vous attendez un peu. Elle se prépare, la délégation du Sud Comoé se prépare. Ainsi que celle du GOR. Délégation du GOR avec à sa tête le pasteur Kana Maxime Désiré, la délégation de la région du Cavali, peut venir à la suite de celle du GOR Cavali avec à sa tête le pasteur Conan, résidence à Guiglo. La délégation de la région du Poro se prépare, le Poro. Elle sera suivie de la délégation du Worodougou, dirigée par le pasteur Fabrice Kwame.
garçon du Poro peut suivre. Thank you.
au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond rapidement, de ton rapidement, cœur. Rapidement, rapidement, faveur, rapidement. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais vous regardez me pousse à adorer Dieu. Vous êtes un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur vos cœurs a gravée. Ce que vous avez fait ou m'a réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui vous a choisi. Ce qui fait de vous des personnes de valeur n'est ni ce que vous êtes, ni ce que vous êtes. Voilà l'amour de Dieu pour vous, quel mystère. Vous êtes un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne vous remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse votre valeur. Vous êtes inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si vous abandonnez, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de vous pour vous relever. Si le monde vous faisait l'argent peut faire briller nos yeux, mais vous regardez nous pousse à adorer Dieu. Nous demandons au service de s'activer. Qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur vos cœurs a gravée. Ce que vous avez fait ou pas réussi, ils ne peuvent rien changer. C'est Dieu qui vous a choisi. Ce qui fait de vous des personnes de valeur n'est ni ce que vous êtes ou ce que vous faites. Voilà l'amour de Dieu pour vous, quel mystère. Vous êtes un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne vous remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse votre valeur. Vous êtes inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si vous abandonnez, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de vous pour vous relever. Si le monde vous faisait merci beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup à nos parents. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons leur permettre de se rafraîchir un peu, de rompre le jeûne. Si tu as été déjà servi, que le Seigneur te bénisse. Si tu attends, sois juste un peu patient. Le comité s'active et tu seras servi. Tu auras quelque chose à te rafraîchir avant de partir. Thank you.
Comme vous pouvez bien le constater, le temple d'Adjamé, siège de la communauté missionnaire chrétienne internationale en Côte d'Ivoire, a une nouvelle allure. Nous sommes à la cérémonie de présentation des vœux au pasteur Meunier Boniface et à sa famille. Plusieurs dirigeants ont répondu présents à ce grand événement, tant de l'intérieur que d'Abidjan. Notamment le pasteur Théo Inielman, qui est missionnaire responsable de la région du Béké. Sois abondamment béni, pasteur. Quelles sont tes impressions rattachées à cet événement exceptionnel? Gloire à Dieu, je suis le pasteur Théo Inielman, missionnaire basé à Boaké, chargé de la conquête du district de la vallée du Banama, c'est-à-dire la région du Béké et la région du Yambol. Je voudrais être très, très, très reconnaissant au Seigneur qui nous a permis d'être encore parmi les vivants. Et puis reconnaissant au Seigneur qui nous a bénis avec cet événement tout exceptionnel qui est la présentation de vœux à notre leader. Nous sommes tout heureux d'être ici parce qu'un an durant, ce n'était que les jeunes, les prières se réunir autour d'un tel événement pour se réjouir ensemble avec son leader et toute sa famille. Certains collègues d'Abidjan et de l'intérieur, ça fait toujours chaud au cœur, ça redonne du tonus, ça nous galvanise pour aller travailler davantage. On est ému de savoir que nous avons un grand homme, nous sommes derrière lui et il est content que nous soyons derrière lui. Ça nous réjouit, nous sommes dans la joie. L'une des marques particulières de cette édition 2019 de la cérémonie de présentation des vœux, c'est la participation de l'équipe d'intercession du pasteur Meunier Boniface. Nous allons arracher quelques mots, nous allons prendre quelques mots avec maman Jacqueline Zouzoua qui va nous donner ses impressions attachées à cette rencontre. Je pense que en tant qu'équipe d'intercession, nous avons été heureux de participer à l'honneur qui a été fait à notre leader. Nous repartons d'ici joyeuse et revigorée, sachant que les prières que nous élevons sont aussi un mur autour de notre leader pour le protéger dans la lourde tâche qu'il a de conduire le troupeau que le Seigneur lui a confié à bon port. Nous sommes vraiment heureuses d'être venues partager la joie et surtout lui réitérer notre engagement et notre amour. Et il le mérite très bien et nous sommes heureuses de partager la joie avec lui et sa famille. Je vais demander au pasteur Achille Gougoua, notre missionnaire dans le Haut-Sassandra, avec résidence à Daloa, de prier pour nous recommander à la grâce de Dieu. Après cela, tu peux rester pour continuer à danser et à chanter avec le groupe chant, comme tu peux te sentir libre de rentrer. Mais nous allons libérer nos parents. Après la prière, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que nous avons passé. Toi qui as été avec nous et qui as déversé ta bénédiction sur nous. Pendant que nous rentrons, que ta faveur et ta grâce sois sur chacun d'entre nous. Bénis les pas de chacun et accorde à chacun de rentrer chez lui sain et sauf, d'intégrer sa maison, sa famille, ses activités sans problème. Et pendant que nous rentrons, que la bénédiction que tu as proclamée sur nous soit protégée, soit gardée, que le chemin soit frayé devant chacun de nous et que toutes les œuvres de l'ennemi soit écrasé, annulé et anéanti. Que la foi de chacun soit fortifiée.
Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu me fais briller. Tu me fais briller. Oh, 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 oh. Tu l'es toi de...